Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où, comme tous les lundis matins, je vais vous présenter les nouveaux produits qui seront sur la boutique cette semaine, donc dans les jours qui viennent. Cette semaine, comme je vous l'ai annoncé sur la page Facebook, il y aura de beaux articles. Donc ce que j'entends par beaux articles, c'est des articles qui sont un petit peu plus chers que d'habitude. Parce que j'ai vérifié, l'article le plus cher de la boutique est à 37€. Il s'agit de la brosse pour toilette cerise de la marque Kali Design. Ensuite, on a un autre article Kali Design qui est à 32€. C'est le saladier avec la cuillère et les couverts à salade en forme d'oiseau. Aussi donc de chez Kali à 32€. Et donc là, j'ai craqué pour des articles qui sont un petit peu plus chers que d'habitude, qui j'espère vous plairont, et que ça fera pas trop de déçus par rapport au prix, et que ça plaira aux personnes qui peuvent se permettre de s'offrir ce genre d'article. Voilà. On va commencer par la lampe Fox Origami que je vous ai présentée hier sur la boutique, sur la page Facebook. Alors, il s'agit d'une lampe en résine, donc elle est particulièrement jolie, je sais pas ce que vous en pensez. Je peux pas vous la brancher parce que pour le moment, c'est la caméra qui est branchée à la prise la plus proche. Mais j'ai fait des photos où la lampe est allumée pour que vous vous rendez bien compte. Voilà, alors petite particularité de cette lampe, c'est la première de la boutique avec une prise donc qui fonctionne sans pile. Ça c'est chouette. C'est une lampe, plutôt une lampe d'ambiance, donc comme une veilleuse, avec un interrupteur. Et il existe donc en modèle renard et un deuxième petit animal. Un joli lapin blanc. Voilà, un peu à la Alice au Pays des Merveilles. Toujours origami, toujours en résine. Encore une fois avec la prise européenne et l'interrupteur. Voilà, j'ai craqué pour ces produits, pour ces deux lampes qui seront à 40€ sur le shop cette semaine. Voilà. Ensuite, on a un autre article que je vous ai présenté il y a quelques jours, que je vous avais annoncé que je mettrais sur la boutique début mai, parce que je sais bien que fin du mois, c'est un peu short niveau sous. J'espère, vous aussi, je suppose. Donc, il s'agit du sac papillon, qui est vraiment magnifique, qui sera à, attention votre petit cœur, 62,50€. Voilà. Promis, les finitions sautent au rendez-vous, vous ne serez pas déçus en commandant, ça c'est sûr. Je pense que vous avez pu bien vous rendre compte de la poésie du sac avec la photo que j'ai posée sur Facebook et sur Instagram la semaine passée. Donc voilà, un sac en simili-cuir qui est composé de jolis petits papillons aussi en simili-cuir qui sont cousus directement sur le sac. Donc ce n'est pas possible de les enlever et ils ne vont pas se détacher facilement parce qu'ils sont cousus à chaque fois bien sur le sac. Donc voilà, on a aussi un papillon là, sur la hanche du sac, ici sur la lanière. Donc voilà, un joli produit, je ne sais pas ce que vous en pensez. Du coup, voilà, c'était un petit peu plus cher que ce que je prends d'habitude, les articles qu'on a d'habitude sur le shop. Mais je me suis dit, allons-y, il est trop beau, ça c'est craquage intersidéral. Et hop, un intérieur tout aussi joli, quoi, avec un beau motif papillon. Le sac est composé d'une pochette ici à l'avant, une autre grande pochette ici avec une petite pochette pour portable, une pochette et une autre pochette zippée. Voilà. Je pense que vous avez été beaucoup à bien l'aimer ce sac. Donc voilà, je suis bien contente de l'avoir pris. Du coup, j'en ai pas commandé beaucoup. Vous imaginez bien comme il est assez cher. J'en ai pris que 3, dont un sac qui est déjà réservé pour une copine. Donc il m'en reste plus que 2. Donc ça va être un peu juste, je crois. Du coup, les stocks se vident rapidement et que vous désirez absolument un sac, n'hésitez pas à m'envoyer un message en me disant « S'il te plaît, la prochaine fois, est-ce que tu peux m'en commander un ?» Comme ça, je tiens une petite liste et j'en commande exactement le nombre qu'il faut. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message parce que sinon, je vais en commander moins que ce que vous désirez. Du coup, voilà, il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors, ensuite, on a des nouveautés comme d'habitude. Donc, une première nouveauté, une tirelire en céramique pour les fans de licorne. Hop. Elle est particulièrement jolie, je trouve, avec sa petite bouille.
avec une crinière arc-en-ciel, forcément. Et un petit embout en caoutchouc pour récupérer tous vos sous. Alors par contre, pour les autres produits ici, je ne sais pas du tout les prix. Je vous invite à découvrir tout ça en description. Ensuite, on a des jolis miroirs flamants roses. Qui sont encore tout emballés. Donc si vous avez des reflets un peu bizarres, c'est normal, c'est l'emballage. Donc des doubles miroirs parce qu'à chaque fois, des deux côtés, vous avez un miroir. De beaux produits pour l'été. Qui j'espère va vite arriver. Il fait très très froid ici. On a dû rallumer le chauffage. Voilà, ça c'est pour les miroirs flamants roses. Ensuite, toujours dans l'ambiance été, oh là là, c'est la fête. Un nouveau désodorisant pour la voiture en forme d'ananas. Piling ! Il est super drôle. Et bien sûr, son parfum c'est à l'ananas, forcément. Voilà, plutôt rigolo, hein. Voilà, le désodorisant ananas. Ensuite, on a une nouvelle planche de stickers. Boum ! Gourmand avec des viennoiseries, des petits gâteaux, des donuts. Donc stickers plats, comme d'hab. Ensuite, on a des nouvelles paires de chaussettes Totoro. Alors, vous allez avoir une impression de déjà vu, c'est normal. On a déjà eu les mêmes modèles, mais en beige. Et là, c'est plutôt gris. Donc, je suis obligée de vous reprendre une photo pour que vous ayez exactement le produit que vous commandez. C'est le minimum, hein. Je sais bien que sur Internet, on a parfois des blagues. Donc, faites bien attention pour que vous ayez toujours le produit que vous commandez. D'ailleurs, des fois, à mon avis, il y a des petites différences de tonalité au niveau des couleurs. Parce que ça diffère d'un écran à l'autre. Alors là, du coup, il manque un stylo. Parce que normalement, il y en a trois. Là, j'en ai que deux. Bon. Donc là, il en manque un qui a disparu. Bah, c'est pas grave, je vous le mettrai sur la boutique. Donc là, il y a un petit lapin, un petit chat et normalement, il y a un petit chien aussi. L'encre est bleue. Ça change, hein. Donc c'est encore une fois des super jolis petits stylos. C'est un des articles que je préfère sur la boutique, c'est tout ce qui est stylo. Peut-être que vous aussi d'ailleurs. Je trouve qu'un petit peu moins. Au début, vous commandiez beaucoup, beaucoup, beaucoup de stylos. Maintenant, un petit peu moins. Donc voilà. Peut-être que la mode est passée. Ou peut-être que vous avez fait un stock assez important parce qu'il y en a qui ont tous les stylos de la boutique depuis le début, je crois. Alors, ensuite, on a... une nouvelle famille de gommes Iwako, ça fait un petit moment, hein. Encore une fois, comme pour la planche de stickers, c'est des gommes gourmandes avec des gros gâteaux. Avec de la crème fraîche et des fraises. Hop. Encore une fois, le même gros gâteau mais en blanc. Alors cette semaine aussi, je vais faire une petite brocante. Donc pour ceux qui ne savent pas en fait, c'est que au lieu de jeter les produits que je reçois qui sont abîmés, ce qui est assez, c'est assez souvent, donc des produits soit qui sont abîmés, soit je trouve que la qualité elle n'est pas assez, assez bonne pour vous le proposer le produit sur la boutique, je mets tout ça dans une boîte et dès que j'ai un certain nombre d'articles, hop, je fais une photo, je poste la photo sur Facebook et vous pouvez choisir l'article qui vous plaît, donc qui est un petit peu abîmé, mais qui est encore utilisable. Hein. Les trucs qui sont vraiment pas utilisés, genre cassés ou... Ça, je les jette. Hein. Mais bon, là, comme ils sont un petit peu abîmés, mais je me dis que peut-être ils peuvent faire plaisir à quelqu'un. Et en fait, il suffit que vous choisissez l'article que vous voulez que je rajoute dans votre commande et vous passez une petite commande sur la boutique, comme ça, je mets le produit dans votre colis. Voilà, c'est tout bête. Il y aura des veilleuses licornes qui ne fonctionnent pas. Donc, vous savez, les petites blanches, là. Parce que j'en ai deux, je crois, qui ne fonctionnent pas. Et il y aura pas mal de stylos qui sont mal imprimés ou des choses comme ça. Mais qui fonctionnent encore très bien. Et qui pourront, j'espère, faire le bonheur de quelqu'un. Voilà, et bien, la vidéo des nouveautés. Ah non ! Est presque terminée. Il me reste une nouveauté qui est de la même collection que le sac... papillon, c'est un foulard. Alors c'est le premier foulard je pense, hein, que je mets sur la boutique. Hop, il est très grand. Enfin,
taille foulard, je pense. Avec de beaux papillons. Couleur vert d'eau, hein. Très joli. Voilà. Donc je vous invite à découvrir les prix dans la barre de description. Je vais regarder ça tout de suite pendant que la vidéo charge. Un très beau foulard du coup, qui va avec le sac, la même collection. Voilà, et bien je vous remercie de m'avoir regardé. On se dit à la semaine prochaine, à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Salut !